C'est parti pour les coulisses du match. Bonjour à tous, nous sommes au stade du Canonnier devant le but où le gardien mouquerounois Delatch va s'échauffer dans quelques instants. Également devant le but où Dino a marqué face à l'Ukraine, c'était il y a une semaine, un but libérateur qui nous a permis d'empocher les 3 points. D'ailleurs, empocher les 3 points, ce serait bien ce soir face à Eupen qui a 6 points d'avance. Donc pour faire son retard, c'est maintenant ou jamais. Eupen qui est une équipe promue mais qui a connu un mercato agité. D'ailleurs, tout comme le Royal Excel Moucron, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants en zone presse. Juste un petit moment pour que je vous parle du Hurlumag, voilà, qui est sorti comme à peu près chaque mois. N'hésitez pas à vous le procurer. C'est parti pour la vidéo des coulisses. Bon, au niveau de l'entrée presse, on était déjà venu ici. Alors aujourd'hui, on veut vous montrer comment les journalistes travaillent. Regardez, ils sont ensemble autour d'une table en train de préparer la rencontre qui va démarrer dans quelques instants face à Eupen. Et nous avons rencontré l'un d'eux qui nous explique comment ils font pour préparer ce match et comment ça se passe au quotidien avec le club. Ouais, bah on essaye de venir ici bah, une heure avant le match pour prendre un peu la température, voir s'il y a des petites infos d'avant match, puis on reçoit la compo, on analyse un peu la compo, puis on va directement en tribune pour suivre le match. Et on reste là, on vient se réchauffer à la mi-temps, puis après à la fin du match on redescend ici pour les analyses, les interviews avec les joueurs, l'entraîneur. Donc tu fais partie des journalistes qui suivent le club au quotidien, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. On a beaucoup de facilité ici, contrairement à nos collègues des autres clubs, donc ça, on ne doit pas se plaindre. Et nous, on a toujours bien reçu. Il y a Nicolas Cornu qui nous encadre lors de chaque entraînement, de chaque match ou lors de chaque conférence de presse. Donc pour ça, on ne doit vraiment pas se plaindre. Bon, petite analyse de ce match contre Eupen ce soir. Il faut s'attendre à quoi? Bah, il faut s'attendre à une équipe de Moucron qui veut chercher les 3 points parce qu'elle est obligée d'aller chercher ces 3 points. Comme ça, elle peut mettre 4 équipes dans la lutte pour le maintien. Donc je m'attends à un début de match assez costaud de Moucron qui va essayer de faire le break assez rapidement tout en se méfiant des forces offensives d'Eupen. Bon, bah, on va souhaiter en tout cas la victoire à Moucron, merci beaucoup. Et puis bah, bon match au froid. Oui, pas de souci, on est habillé chaudement, pas de problème. Et maintenant, on file en tribune. Avec Sébastien Huzler, on était déjà avec toi la semaine passée. Est-ce qu'il y a des places qui sont déjà prédéfinies quand vous arrivez ici? Non, on peut choisir nous-mêmes l'endroit où on souhaite travailler. Bon, voilà, ça c'est pratique. Raconte-moi juste comment ça se passe pour préparer peut-être avant le match, comment ça se passe pendant le match et après le match. Bon, avant, c'est tout d'abord l'analyse de la feuille de match. On regarde si c'est correct ce qu'on avait annoncé durant la semaine au niveau des compositions. Bon, généralement, tu as tout le temps une ou deux petites surprises, ça dépend. Après, pendant le match, donc, là c'est surtout le compte-rendu sur lequel on travaille. On essaie de ne rien louper, parce qu'on doit également coter les joueurs, et ça c'est un exercice à chaque fois un petit peu difficile. Bon, ici ça va, on a la chance d'avoir un écran, parce que pour les ralentis, ça c'est toujours intéressant pour les phases litigieuses. Et après le match, là c'est essentiellement consacré aux interviews. Voilà, donc on vient de faire un petit peu le tour des médias, ceux qui font la télé, il y a aussi ceux qui font la radio, et il y a aussi, regardez juste à côté, les ralentis. Comme vous avez pu le voir, les joueurs sont déjà à l'échauffement. On a croisé Thibaut Père juste avant qu'ils arrivent sur le terrain. Comment est-ce que vous avez préparé cette rencontre? Écoutez, je pense de la meilleure des manières qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire on est allé faire une mise au vert du côté de Courtrai, donc on a essayé de rester tous ensemble avant le match. Je pense que c'est une chose importante. Voilà. Bon, après, c'est chacun se prépare quoi, selon ses besoins. Donc voilà, après, c'est à la fois personnel et collectif. Donc de rester ensemble, pour moi, c'est une bonne préparation. Ce soir, il faut gagner ce match. Oui, on sait que ce soir, c'est un match très très important. J'ai pas envie de dire la dernière chance, mais non, c'est très important. Eupen, c'est une équipe qui a une très bonne attaque, donc il va falloir se méfier de cette attaque. Mais bon, après, on sait que c'est une équipe aussi qui a su gagner contre des grosses équipes. Donc voilà, on sait que c'est une équipe, certes à notre portée, mais qui pourra nous poser pas mal de problèmes. Bon, on espère que vous allez gagner, pas marquer un but à la 93e minute, mais avant, si possible. Bah, c'est bien pour le suspense, pour vous, c'est bien, quoi. Mais voilà, si on peut faire la même chose que la semaine dernière, ce serait super. Thank you.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un 2-0 à la mi-temps? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un si beau jeu à Moucron, ça c'est sûr. Mais 2-0, oui, non, j'y croyais bien sûr, parce qu'on a l'équipe pour. On savait que Penn c'était un peu mou et qu'on pouvait le faire, donc voilà, ouais, effectivement, je pouvais y croire, ouais. Ah, cette saison, c'est quand même un petit peu difficile d'avoir imaginé ça, mais j'aime beaucoup le nouvel engagement qu'on voit chez les joueurs. Il y a quand même beaucoup de mieux sur le terrain, ça c'est clair. Mais moi, j'ai toujours dit, et il y a des semaines que je le dis, que Moucron ne descendra pas en Division 2. C'est quand même bien l'anniversaire quand on gagne 2-0, c'est bien. Ouais, tout à fait. J'ai un ami, sa fille, son rêve c'était de toucher les dauphins. Et mon fils, son rêve c'était de voir Moucron gagner à domicile. Ah, il y va, pourquoi vous y allez? C'est le match, il débute, je suis désolé, le match il débute là. Satisfait, on est content, c'est une belle victoire, 3 points, et voilà, c'est une belle récompense. Est-ce qu'il y a un secret Rednitch pour ramener des nouveaux joueurs, pour gagner 2 fois de suite à domicile? Est-ce qu'il y a un secret? Bon, c'est le travail, la sérieuxité, la discipline, avec des joueurs qui doivent comprendre que moi je suis venu ici pour aider. Ensemble nous sommes forts, on a montré ça, il faut encore travailler, c'est pas encore fini, mais nous sommes sur le bon chemin, on va en réelle progression dans les 3, même 4 contre Bruges, la même chose, on a fait un très bon match, avec 3 les matchs qu'on a joué maintenant, je suis sûr que cette équipe peut apporter plus.